Dans le temps, il pleuvait suffisamment, même les hyènes sont à côté, tu ne peux pas aller là où nous sommes actuellement. Les hyènes ont été couchées. Il dit même si tu cultives un petit local, c'est largement suffisant. La terre est suffisamment riche. Donc, il y a vraiment suffisamment de bouffe. Un petit le pain suffit pour nourrir toute la son champ fait à peu près 1 kilomètre de long, mais à peine ça lui fait 4-5 mois de bouffe. Il gagne presque pas de l'eau. Oui, il ne pleut pas suffisamment. Un peu à peine 1 kilomètre de là où nous étions dans l'hôtel dit, c'est un coin qui s'appelle Kosei Bangu. Les lieux sont là-bas, si tu oses aller, même en plein jour, on ne parle pas de la nuit, même en plein jour, on ne bouge pas. Est-ce que c'était beaucoup plus boisé? Oui, c'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il y avait suffisamment d'arbres, il pleuvait suffisamment. Et même les petits lopins de terre que tu cultives, vraiment ça donne une très bonne production. Il y a des gens qui ont dit au moment où on a fait la tracée de la route du Kimé, là, en tout cas, c'est de la terre. C'est plus âgé que lui, alors que lui, il a 85 ans. En ce moment, ceux qui faisaient la route là, ils ne vivaient que des gibiers. Parce qu'il y en a suffisamment, on ne paye pas la dette. C'est des gibiers seulement. Dans le temps, on considérait leur village un village, village très reculé. Ça ne grandit pas parce que les gens ont peur de vivre ici. Dans la tradition, là, il y a ce qu'on appelle les nains qui sont leur supplément ici. Combien de foyers il y a dans le village?